Alors, je vais vous lire un message que j'ai reçu. Et je vais essayer de tenter d'y répondre. C'est le message que j'ai reçu sur mon boîte mail. Une question sur Jésus. Salut Ahmed, j'ai vu que dans ta dernière vidéo de 2 heures, tu as finalement reconnu notre Seigneur Jésus, Verbe de Dieu, présent à ses côtés de toute éternité, ainsi que sa mère. Sa Sainte Mère Marie, comme la mère de l'humanité, élevée au-dessus de l'univers. Mon cœur s'en réjouit. Oui, alors moi je ne le reconnais pas comme le Seigneur, comme certains pourraient l'entendre. Seigneur, c'est-à-dire étant à la fois le Fils, le Dieu lui-même, etc. La Trinité. D'accord? Dieu dit dans le Coran, ne dites pas trois, il s'adresse justement à ceux qui le prennent, qui pensent que Dieu a adopté un fils, ne dites pas trois, c'est ignoble auprès de Dieu. Mais je le reconnais effectivement comme le Verbe de Dieu, mais c'est pas seulement, Dieu merci, ça n'est pas d'aujourd'hui. Bon, les musulmans respectent Jésus, même si respectent, ça c'est sûr, croient en lui aussi, mais de manière très hypocrite. Ils le reconnaissent en tant que messager, ils n'ont pas le choix, mais ils n'ont rien à foutre. Voilà. Moi, je pense, comme il est dit dans Isaïe, quand Dieu a créé la création, il avait son verbe à ses côtés, à sa droite. Sais pas si je peux le dire comme ça. Et son verbe, c'est Jésus. Et effectivement, Marie l'a élevé au-dessus des univers. Il a préservé son ventre parce qu'il allait justement descendre son verbe par Jésus. Jésus, le messager, est dans les cieux. Jésus est El-Masih, c'est l'esprit. D'accord? Il y a l'esprit et il y a Jésus, en chair et en os. Voilà comment je vois les choses. Avec évidemment une création miraculeuse, mais Dieu aussi rappelle dans le Coran qu'elle est la même que celle de Adam. Il l'a créée de la même manière. Bon, Adam, il avait ni père ni mère. Mais c'est pour nous dire que voilà, il est un homme parmi les hommes, mais il y a l'esprit. Il y a le prophète, d'accord, le ciel, et Jésus, la terre. Et Marie, qui est bien sûr aussi l'esprit et que Dieu a élevé au-dessus des univers. C'est elle qui s'incline, qui se prosterne avec tous ceux qui prient et qui croient sincèrement en Dieu. Elle est à leur côté. D'accord? Et Dieu dit que tous ceux qui sont dans le livre, tous, croiront en Jésus avant de mourir. Tous. De gré ou de force. À sa parole. Aussi, j'aimerais en savoir un peu plus sur la pensée concernant Jésus. Crois-tu que Jésus a bien été conçu par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, et né d'une mère vierge? Oui, c'est un peu ce que je viens d'expliquer. D'accord, il a protégé son ventre et il a dit « Kun fayakun ». D'accord, il a annoncé la venue de Jésus. Dieu dit « Sois et ça est », c'est tout. D'accord? Et il a mis sa parole dans Jésus. Donc, tout croyant, également les musulmans, s'ils ne croient pas sincèrement en Jésus, c'est des zombies, c'est des morts-vivants en fait. Il ne suffit pas de le reconnaître parce qu'il est cité en Coran. Donc, oui. Pour toi, Jésus, est-il le Christ, c'est-à-dire le Messie envoyé sur terre pour nous donner la connaissance du vrai Dieu et pour nous faire atteindre le royaume des cieux par la rédemption? Non, je crois que Jésus, il n'est pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire le Christ pour toi, en fait, pour être honnête, mais Jésus est un messager et un prophète. Dieu l'a descendu sur terre pour passer son message. Jésus, il n'est pas mort. Marie n'est pas morte. Ils sont un esprit, d'abord.
avant d'être quelqu'un en chair et en os, sur qui ils vont descendre. D'accord? Ils ont un rôle à jouer. Jésus, c'est pas quelqu'un en chair et en os que Dieu l'a fait naître. On l'a crucifié, on l'a tué, et il est mort et il a laissé derrière lui un message. C'est pas vrai. C'est bien plus grand que cela, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Ça n'a rien à voir. Le messager, Jésus, est un homme de chair et d'os comme toi et moi. Il est le clone d'Adam, au niveau de la création. Dieu, il dit soit et c'est tout. Il faut simplement croire en lui. Kun fayakun. D'accord, c'est comme ça que c'est dit dans le Coran. Dieu, il dit soit c'est. Alors celui qui doute, effectivement, il va se dire ouais, qu'est-ce qu'il raconte, enfin, comment on peut arriver. Bon, après, je ne demande à qui que ce soit de croire à l'invisible, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour guider les gens, je suis pas là pour les égarer. Je donne un avis, je parle de ce que je pense savoir, de ce que. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Crois-tu en la résurrection de Jésus après sa crucifixion? Mais. Bah, déjà, on peut parler de la crucifixion. Mais Jésus, il n'est pas mort. Jésus n'a jamais été crucifié. Là, je vais te lire ce que j'ai préparé. Le verset qui parle justement de cela. Tu vois, je l'avais déjà, moi, entouré. Tu vois, c'est déjà. Voilà, donc c'est la sourate, les femmes. D'accord? Voilà ce que Dieu dit. Du verset 156, sourate 4, verset 156 au 159. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. D'abord, A'oudou billahi minash shaitan rajim. C'est une formule pour se protéger de Satan le lapidé qui vient, tu vois, s'interférer entre le livre et toi, en fait, tu vois. Alors, bismillah. À cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. Verset 156, verset 157, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, le Christ, le Masséa, c'est l'Esprit. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Donc tu vois, le Coran confirme tes propos. Jésus est-il le Christ? Le Coran dit que oui. Voilà, d'accord? Mais pas dans le sens où toi tu l'entends. Parce que j'imagine que toi tu dis le Christ comme étant à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si j'ai bien compris. Hein. Si j'ai pas compris, je te demande de m'excuser. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Mais en même temps, il dit qu'il reprend les paroles que certains ont dites. Voilà. Donc je ne sais pas s'il les confirme ou pas. Or, ils ne l'ont pas tué ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura foi en lui avant sa mort. Voilà, c'est ce dont je parlais. Personne. On aura tous foi en lui, de gré ou de force. Tu te prosterneras devant l'Éternel de gré ou de force et tu croiras à sa parole. Et heureux celui qui a cru. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Waouh. Alors, je vais peut-être te lire aussi, comme ça au moins tu sauras. Il y a une sourate qui parle de Marie. C'est pour ça que j'invite tout le monde à, voilà, à se procurer le Coran, ou se le faire prêter. Hein, si tu as un ami musulman, voilà, s'il peut te prêter son Coran, voilà. Alors, je ne suis pas dans le prosélytisme, je te dis que c'est bien d'aller voir par soi-même ce qu'il est dit dans les livres à révéler. Oh, ferme-la, toi. Alors, attends. Alors, sourate 3, verset 55. Alors, là, on voit que dans les versets que j'ai lus, alors ensuite, ce qui vient après vient confirmer, vient continuer à parler de Marie et de Jésus, mais entre le 156 et le 159, Dieu rééquilibre la vérité. Et on peut voir qu'entre le 156, alors c'est 156, 157, 158 et 159,
Le 556 et 159, on voit bien que c'est le 6 et le 9 inversés, donc il y a un équilibre. Donc voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de hasard. Ensuite, on a le verset 160. C'est pas celui-là que je vais vous, lire, je vais lire aussi la Sourate 3 qui parle directement, verset 55. Voilà. Voilà. Hop, 55, tiens, 5-5. Alors, voilà. Sourate 3, d'accord. La famille de Imran, verset 55, pardon. Rappelle-toi quand Allah dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. T'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. » Tu vois ? Jusqu'au jour de la résurrection, tous ceux qui croiront en Jésus, Dieu les élèvera. Vous voyez de quoi se privent les musulmans? Bon, en même temps, ils ont usurpé le blase, donc il n'y a rien d'étonnant. Dieu, il élève la vérité, la parole de vérité. Donc tu suis la parole de vérité, tu suis Jésus et sa mère, alors Dieu t'élève au-dessus du mensonge. Celui qui ne croit pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous et ce sur quoi vous opposiez. Alors je vais vous la relire sans faire de commentaires. Rappelle-toi quand Allah dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre fin jusqu'au jour du... ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent et au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour. » Et je jugerai entre vous et ce sur quoi vous vous opposiez. Voilà ce qui répond à, voilà, majoritairement à tes questions. Voilà. Crois-tu en la résurrection de Jésus après sa crucifixion? La résurrection, elle est pour toi, en fait. Tu vois, quand je dis elle est pour toi, elle est pour nous, en fait. Voilà, Dieu, il envoie Jésus à ceux qui croient en sa parole. Soit Jésus, il est en toi et Dieu, il t'élève au-dessus de ceux qui ne croient pas. D'accord ? Mais, voilà. Jésus ressuscité après avoir été crucifié, Dieu, il dit, je vais t'élever. Hop, voilà. Les gens ne veulent pas croire en toi. Allez, hop. Tu reviens vers moi. C'est le verset 55, 5-5, l'équilibre toujours. 5 fois 2, 10, le chiffre 1, l'unique, tu remontes vers l'unique et le chiffre 0. 5 fois 2, 10, il y a le 1, il y a le 0. Le 1, c'est l'unique, le 0, c'est laisse-les dans le néant. Bon, c'est mon interprétation à moi, c'est pas coranique, je suis en train de dire, hein, que j'y mets des guillemets. Hein. Laisse-les, c'est double 0, laisse-les dans le néant. Voilà. Ils ne croient pas en toi, donc ils ne croient pas en ma parole. Laisse-les. Quand il reprend Jésus, il laisse les gens voilà, dans la cécité. Et Jésus redescend dans chacun de nous. Celui qui cherche la vérité la trouvera. C'est Jésus qui le dit. C'est pas par hasard que ce soit lui qui le dit comme ça. Et le Coran dit exactement la même chose. Celui qui invoque Dieu, Dieu dit je vous réponds. Répondez à mon appel également. Cherchez la vérité, vous la trouverez. Donc Jésus dit, tu cherches la vérité, tu vas la trouver, je vais descendre. Dieu dit à notre bien-aimée Marie, que Dieu l'élève et la récompense, de la meilleure des récompenses, il dit, incline-toi avec ceux qui s'inclinent, Marie. Et prosterne-toi avec ceux qui prosternent Marie, avec ceux qui se prosternent Marie. Mais le problème, c'est que... Enfin, le problème, oui, c'est un problème, c'est qu'on a distribué, le diable a distribué ses cartes, il a distribué les livres de Dieu. Voilà. La Torah aux Juifs, l'Évangile aux Chrétiens, le Coran aux Musulmans, et en disant, vous avez chacun votre livre. Alors c'est la volonté de Dieu dans l'absolu.
Mais il faut que nous comprenions que ces livres-là, ils sont pas descendus simplement pour que chacun ait son bouquin. D'accord? Dieu renvoie les musulmans à l'Évangile et à la Torah. Dieu renvoie j'ai dû, ça m'ennuie de dire les Juifs parce qu'en fait les Juifs ce sont les descendants de Judas, mais ils peuvent pas le comprendre s'ils lisent pas le Coran. Mais bon, essayons, restons dans ce que dans la croyance dans laquelle on nous a mis. Les Juifs et les chrétiens, j'en ai perdu le fil. Dieu les renvoie au Coran. Sauf qu'on a brouillé, les cartes. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on récupère d'abord le blaze, les musulmans, les descendants d'Abraham, d'accord? Que ceux qui se disent musulmans aujourd'hui, qui fassent leur saloperie en leur nom, qu'ils se trouvent un blaze, hein, et de récupérer les livres. Voilà. Il faut que nous allions tous vers Dieu ensemble. C'est plus possible que nous ne puissions pas parler de religion sans se foutre sur la gueule. Voilà. Donc alors crois-tu que Jésus a bien été conçu par l'Esprit? On lui a répondu, pour toi Jésus est-il le Christ? On y a répondu, et c'est-à-dire le Messie, oui, le Coran il répond, envoyé sur terre pour nous donner la connaissance du vrai Dieu, et pour. Il n'y a pas de vrai Dieu, il y a un Dieu, et pour nous faire atteindre le royaume des cieux et la rédemption. Oui, pour nous faire atteindre le royaume des cieux. Et aller vers la rédemption aussi. Tu ne peux pas aller atteindre le royaume des cieux, effectivement, sans la rédemption. Mais Jésus, tu mets pas. Tu vois, tu vas pas tu vois, acheter, tu vois, faire tes courses dans la boutique du coin en lui disant, mais ça sur mon compte. Personne ne portera le fardeau de personne. Tes saloperies, alors je m'adresse pas à toi, évidemment, personnellement, mais. Tes saloperies, tu les porteras. Jésus n'a pas à porter tes saloperies. Il n'a pas à porter nos saloperies. Ni lui, ni qui que ce soit. D'accord? Chacun portera son livre, sa croix. D'accord? Ça, c'est une escroquerie. Ça, c'est une invitation à open bar. Tu vois? Tu fais ce que tu veux, tu triches, tu mens, etc., etc. Et tu mets ça sur le compte du Fils de Dieu. Bon, il est descendu. Dieu a sacrifié son Fils pour prendre nos péchés. Mais pourquoi il nous a descendu ici, Dieu? Moi je serais plus intelligent que Dieu. Tout ça pour en arriver là. Pour que son fils vienne nous dise, bon, allez, open bar, foutez le désordre sur terre, de toute façon, c'est pas grave, c'est mon fils qui va payer. Est-ce que ça a un sens tout ça? Non. Est-ce que ça a un sens? Dieu, il a mis El Furqan, il a mis le discernement dans nos cœurs. Soit ton cœur, il est mort, et là c'est vrai qu'on ne comprend pas ce qui se passe, ou soit ton cœur, tu as le regard du cœur, il est, tu vois. Il est vivant, et tu te dis, ça n'a aucun sens, ça. Dieu, il envoie son fils, il dit, vas-y, open bar, fais ce que vous voulez. De toute façon, c'est pas grave, c'est mon fils qui. C'est l'ardoise, mon fils y remontera avec. Voilà, il va. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Non, Dieu, il a écrit autre chose à Jésus, fils de Marie. Il les a élevés. Il a élevé Marie au-dessus des univers, des sept cieux. Et nous, les musulmans, hein, enfin. Les musulmans, les usurpateurs d'identité, hein, ceux qui n'ont pas de faf, et ils ont, tu vois, c'est des sans-papiers, les mecs, ils ont trouvé le blaze, ils ont dit, on est musulmans. Ils nous expliquent que la mère des croyantes, celle que Dieu a élevée au-dessus des univers, c'est Aïcha. C'est pour ça que Khaled, il a fait une chanson, Aïcha, Aïcha, c'est d'où le tube, la reine de Saba, tiens. Usurpation d'identité, pareil. Marie, elle vient, elle prend l'avion, elle se met en première classe, et elle trouve Aïcha assise sur le. Ah, excusez-moi, madame. Salam, salam, ça va, oui, alhamdoulilah, très bien. Excusez-moi, je crois que c'est ma place. Hein, je suis la mère de Jésus. C'est ça. C'est bah, la mère des croyantes. Comment ça, c'est vous? Non, toi, t'es la mère d'Abou Lahab. C'est vrai que ça n'a absolument rien à voir. Excuse-moi de. Hein, je suis rarement mise en colère. J'ai été béni par Dieu. Mais là, cette usurpation, c'est quand même. Hein, donc, si vous pouvez déjà descendre de l'avion déjà. C'est-à-dire que je voyagerai pas avec vous. Non, je veux pas avec les associatrices et les associateurs. Non, non, Dieu ne vous a pas béni au-dessus de l'avion peut-être, au-dessus de, tu vois, mais pas au-dessus des. Non, non, tu vois, l'avion, il va pas monter au septième ciel. Moi, j'en descends. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, si vous pouvez, hein, Aïcha, si vous pouvez. Hein, voilà, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit pour ne pas vous montrer, hein, montrer une fois encore que. Mais non, il faut garder le.
Hein, vous rendez le billet, hein? Bon, je ferai nettoyer le siège. Hein, non, mais c'est incroyable. Voilà. Ce sont les ennemis d'Allah, ce sont les ennemis de Dieu. Ils ne veulent pas accepter le dessein de Dieu, son livre. Voilà. Il a donné à chacun de nous sa place dans son livre. Il a dit, j'ai préféré certains prophètes à d'autres. Et il a dit, j'ai donné Al-Zabour, les psaumes à David. Eux, ils ont dit, le meilleur des hommes, c'est Mahomet. Et quand tu leur dis, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu racontes des conneries? T'es né comme ça ou quoi? C'est une maladie chez toi? C'est quelque chose, c'est une maladie nouvelle qui s'est déclarée dans votre secte? Pourquoi tu vous déformez ce que Dieu dit? Tu dis, non, c'est le meilleur des hommes. D'ailleurs, Dieu, s'il a créé les hommes, c'est parce qu'il a créé Mohamed. Tu dis, mais c'est pas ce que Dieu dit. Dieu a dit, j'ai préféré certains prophètes à d'autres. Donc David. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui. Et que lui aussi, il le récompense de la meilleure des récompenses. Et ils ont dit, non, ils ont dit, c'est Mahomet. C'est Mohamed. Il est au-dessus de tout le monde. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes trois questions. Tu vois. Après, je t'invite à lire la sourate qui est dédiée à Marie, qui s'appelle Marie. C'est l'honneur qu'a fait Dieu à Marie. Il n'y a pas de sourate, il n'y a pas de sourate Aïcha. Il y a une chanson de Khaled, plutôt bien écrite. Hein. D'ailleurs, c'est une chanson qui, peut-être que Goldman l'a écrit dans l'autre monde. Hein. Il l'a écrit là, après il est revenu. Il est monté là-haut, il a écrit, il a dit, bon, c'est bon les gars, je vous remercie, ça va faire un tube. Probable, hein. Quand on écoute les paroles, on comprend que c'est très religieux tout cela. Hein, comme Johnny Hallyday, comme un tas de... Tout est religieux en réalité. Donc, oui, après... voilà, moi je ne crois pas à la Trinité. Je ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu. Pureté à lui, il n'a pas enfanté, il n'a jamais été enfanté. Il est l'unique, rien ne lui ressemble, il est l'absolu. D'accord? Mais effectivement, Jésus est son Verbe. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Nous n'avons pas, nous, à décider à la place de Dieu, nous autres musulmans qui choisissons. Qui est au-dessus de qui, et comme c'est retour vers le futur. C'est Caïn qui tue son frère parce qu'il n'accepte pas que Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Et il lui dit, ok, tu as accepté l'offrande d'Abel, je vais le planter, je vais le crever, je vais crever mon frère. C'est, voilà. C'est cela en fait, que c'est l'histoire qui se répète. Bon, après nous les musulmans, quand je dis retour vers le futur, c'est ce que nous a expliqué l'histoire qu'on nous a conté, la fable d'il y a 1400 ans, déjà ils ont usurpé le temps avec 400 ans de... C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le prophète, elle est là, la prophétie. Et elle est en train de revivre. Voilà, Dieu, il est en train de nettoyer la prophétie de l'opprobre. Des impuretés que l'homme a mis, qui va descendre sur quelqu'un, sur un messager. Il s'appelle Ahmed. Et qui criera et qui appellera à l'unicité de Dieu. Ouais, ça commence à se préciser tout ça. Ouais, je sais, mais je sais que c'est lourd. Mais même moi, j'y crois pas. Même moi, j'ai du mal. Même moi, j'ai dit pourquoi moi? J'ai rien demandé, moi. Qu'est-ce que vous voulez m'emmerder? Laissez-moi tranquille. Allah, sont là, ils se disent, oui, tu te prends pour un prophète. Est-ce que moi, j'ai dit que j'étais prophète? Alors, tu es témoin. Tu témoignes entre eux et moi. Est-ce que moi, j'ai dit que je suis prophète? Pas encore, je sais. Non mais jusqu'à aujourd'hui, est-ce que j'ai dit que j'étais prophète? Est-ce que j'ai dit que je suis prophète? Et ils sont là, ils disent, oui, tu te prends pour un prophète. Alors moi, je leur demande, alors je leur ai dit, mais qui vous a dit ça? Qui vous a enseigné cela? Qui a dit attaquer le prophète Ahmed Moalek? Qui leur a dit ça? Tu le sais, toi. Ouais, ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients. Moi, je suis un avertisseur. Là. Tu m'as dit averti. Tu m'as demandé
Tu es averti maintenant. Fallait pas lever la main. Ouais, j'ai levé la main, moi, je suis quand même. Je me suis précipité parce que j'aime Dieu. J'aime Dieu et son prophète. J'aime Dieu, ses messagers, ses prophètes. J'aime Marie. J'ai qu'une envie, c'est de la prendre fort dans mes bras, de lui dire merci, de lui dire je t'aime, Marie. Je veux juste te serrer dans mes bras. Juste te serrer dans mes bras et pleurer. C'est tout ce que je te demande, Marie. Et que tu me donnes un petit peu de ta grâce que Dieu t'a donnée. Voilà. Laisse-moi te prendre dans tes bras, comme ma maman. Te serrer fort dans mes bras, Marie. Et laisse-moi avec ton fils. Laisse-moi discuter avec ton fils. Qu'il me donne de sa sagesse, de son savoir et de la parole d'Allah, que je la diffuse à qui veut bien l'entendre. Et donc voilà, moi, si j'avais une chose à dire, en particulier aux gens de la communauté chrétienne, je l'ai déjà dit, hein, mais bon, il y a plein de vidéos qu'on sautait. Je dis ce que Dieu dit dans le Coran, pas moi. Moi, je ne suis là que pour rappeler. Je dis cessez de dire trois. Dieu, il a dit cessez de dire trois. Voilà, Dieu, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. D'accord? Jésus n'est que le messager et l'envoyé de Dieu. Il est le Verbe de Dieu. Il lui a donné une destinée extraordinaire à lui et à sa mère, Marie. Et sa destinée, il l'a donnée à personne. C'est pour ça qu'il a eu cette naissance miraculeuse. Même si dans l'absolu, nous autres, issus du spermatozoïde, notre existence est miraculeuse. Regardez ce qu'on est. Mais Jésus, il a une destinée particulière. Sa mère, pareil. Alors certains ont remplacé Marie par Aïcha, par comment elle s'appelle, Jeanne d'Arc. Elle a les mêmes. Elle entend des voix sous-entendues. Elle entend, tiens, elle reçoit la visite de l'ange Gabriel. D'ailleurs, l'histoire, la fable de Jeanne d'Arc, on veut tuer Marie. On veut faire oublier l'existence de Marie, cette mère des croyants. Et des croyantes, voilà, comme ça, qu'il n'y ait pas de jalousie, que je ne sois pas mal compris. Que Dieu a élevé au-dessus des univers. Allahu Akbar. Subhanallah. Vous voyez? Certains essaient d'attaquer Dieu de toutes parts. Autant chez les musulmans que les non-musulmans. Qu'est-ce que c'est que cette fable que Aïcha serait la mère des croyants? Ça vient d'où ça? Bande d'associateurs. Il est là tout le problème. Tout le problème, il est là. C'est pour ça que j'ai dit aux chrétiens, n'associez rien à Dieu. Sinon Dieu ne vous répondra pas. Jésus ne vous répondra pas, Marie ne vous répondra pas. Il faut revenir à l'unicité. Suivre les pas de notre bien-aimé Abraham, Ibrahim. Paix et salut de Dieu sur lui. Ibrahim. Ah, ce que j'aimerais, Allah, être Ibrahim, juste une nuit, Allah. Ou plus si tu veux. Mais je me pose et je dis, enseigne-moi Ibrahim, enseigne-moi la sagesse, enseigne-moi tes feuillets, ya Ibrahim, ya Allah, ya Allah. J'en ai marre de ce monde de merde. Laisse-moi passer un moment avec notre père Ibrahim, qui me donne un peu, juste un peu, ce que toi tu voudras, ya Allah.